Salut et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre abécédaire, une lettre chaque jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 décembre, c'est la galère dans les transports, mais on va parler quand même parc d'attractions et un type de parc un peu particulier dont on ne parle pas forcément beaucoup sur cette chaîne. Bienvenue dans l'excitation des parcs, lettre E aujourd'hui. She's got me upside down again. Just like a roller coaster, never want it over now and again. You got me feeling closer, time is moving slower now. La lettre E comme deux éléments dont on va parler aujourd'hui, l'eau et Europa Park. Faut dire que le parc a travaillé énormément, il pense à ce parc aquatique depuis près de 27 ans. Et ça y est, il a ouvert ses portes il y a quelques jours à Rousse, juste à côté d'Europa Park, à proximité du nouvel hôtel qui a ouvert cet été, l'hôtel Kronazar. Le parc s'appelle Rulantica. Rulantica, en fait, c'est une île nordique au travers desquelles on va pouvoir découvrir des légendes. Le parc nous invite vraiment dans un univers de navigation à découvrir ce monde qui a été créé de toutes pièces sur justement tout cet univers nordique. On a l'habitude dans les parcs d'attractions, les parcs aquatiques en tout cas, d'avoir des univers plutôt tropicaux. Et bien là, Europa Park a pris le contre-pied et nous propose donc ces différents univers à découvrir donc dans ce parc qui a ouvert le 28 novembre dernier. Nous étions à l'ouverture de ce parc d'attractions. On a pu découvrir donc les différents toboggans et les différentes choses que l'on peut faire à l'intérieur. 17 toboggans au total dans des univers très différents. Ils sont dispatchés un petit peu aux quatre coins de ce parc aquatique. Des toboggans à chute libre où vous êtes en fait sur une plateforme qui va s'ouvrir sous vos pieds et vous allez glisser justement dans ce toboggan jusqu'à la sortie tout en bas. Ils ont été vraiment particulièrement intégrés dans la thématique de la zone où ils se trouvent. D'autres toboggans beaucoup plus familiaux qui se font pour certains même à plusieurs, obligatoirement minimum 2 pour certains. Cet énorme toboggan derrière Svalgur qui est le serpent qui a glacé toute cette partie de Rulantica. Un monde glacé car lors d'anciennes expéditions, eh bien des navigateurs ont touché à l'eau sacrée, ce qui a créé la colère justement de cette divinité nordique. C'est pour ça que cette partie du monde est glacée, alors qu'il fait plus de 30 degrés à l'intérieur de Rulantica. C'est vraiment un parc à thème, clairement, qui a été créé par Europa Park, avec une vraie histoire qui est contée, si tant est qu'on s'y intéresse un petit peu, des vrais mondes qui s'intègrent très bien les uns avec les autres. On a une très belle immersion. À premier abord, le bâtiment peut paraître extrêmement petit, mais en définitive, quand on est à l'intérieur, qu'il faut se déplacer d'une attraction à une autre, eh bien, ça prend quand même un petit peu de temps et du coup, on a de quoi passer une très bonne journée dans ce parc aquatique. Rulantica, des toboggans, il y a également d'autres attractions, il y a des rivières sauvages à l'extérieur, mais également une à l'intérieur qui fait le tour du parc et justement qui s'appelle Snorri Saga. Vous êtes sur des bouées, vous allez parcourir justement toute cette petite lagune qui fait le tour de Rulantica à la découverte justement de l'univers de Snorri. Snorri, c'est cette pieuvre, le personnage principal de Rulantica, de cet univers qui a été créé par Europa Park et donc dont vous allez pouvoir suivre les aventures au travers de cette attraction. Et puis, un parc d'attractions, parc aquatique, ne serait pas un parc sans des points de restauration. On en a à divers endroits. Tout fonctionne à l'intérieur grâce à un système de bracelet que l'on a au poignet qui nous sert à ouvrir et à fermer notre casier quand on arrive au vestiaire, mais également à payer à l'intérieur. Et puis, si jamais vous ne vous rappelez plus quel casier vous avez pris au moment où vous voulez sortir de Rulantica, ou si vous voulez poser des affaires ou en récupérer, eh bien, il y a un petit capteur à l'entrée des vestiaires qui vous permet justement de retrouver votre position grâce à votre bracelet. Vous le scannez comme ça, et ça vous redonne donc votre numéro de casier pour que vous puissiez retourner chercher vos affaires. Pour ce qui est des toboggans, alors je suis loin d'être un expert en parc aquatique, mais je dois avouer que même si c'est pas forcément ce que j'aime moi dans les attractions que je vais chercher dans les parcs, je me suis franchement amusé sur des toboggans qui parfois ne paraissent pas grand chose et qui certains m'ont vraiment surpris. Il y a ces toboggans à chute libre qui paraissent impressionnants mais qui donnent de très bonnes sensations sans forcément être
extrêmement violents, et puis d'autres qui paraissent vraiment tout mignons, tout simplets, et qui justement nous surprennent. C'est le cas notamment de ces deux tout petits toboggans qui sont installés justement dans Winterhall, qui donnent de très bonnes sensations, notamment d'airtime, avant de retomber dans la piscine avec une sacrée profondeur. Je m'attendais pas à redescendre aussi bas. De très bonnes sensations à découvrir donc sur les différents toboggans de ce nouvel univers aquatique d'Europa Park qui s'appelle Rulantica et qui est ouvert le 28 novembre dernier. On y retournera d'ici quelques jours, l'occasion de parfaire justement la sensation de visite. Là, on était en visite presse qui a duré à l'intérieur 1h30, 2h, donc on a eu le temps de tout faire, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'attentes, étant donné qu'il y avait des journalistes, mais je pense que la sensation peut être différente justement avec des personnes à l'intérieur du parc. La sensation pourrait être un petit peu différente sur la longueur, donc ce sera l'occasion d'un nouveau débrief. Voilà pour cette vidéo sur Rulantica au Europa Park. C'était la lettre E. Aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Passez une excellente journée et n'oubliez pas, la vie, c'est comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais le principal, c'est de se faire plaisir. Allez, salut. She's got me upside down again. Just like a roller coaster, never want it over now and again. You got me feeling closer, time is moving slower now.